comme l'a dit Mouslim. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va giga bien. Bref, je vais très bien. Aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière découverte. Un livre trop bien. J'ai trop aimé, c'était trop bien. Ok, reprenons depuis le début. Savais-tu qu'Allah a 99 noms? 99, mais c'est beaucoup ça. Et pourtant, si tu les apprends, ça a un pouvoir mais miraculeux. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te dire un secret. Et toi, t'en connais combien? Moi je connais une multitude grâce à ça. Grâce à ce livre. Celui-là. T'as vu, il est beau. Paquette. Quand tu rencontres des difficultés, invoque El Hayyou. El Qayyou. J'aimerais tellement avoir un petit chat. Si tu as des vœux ou des souhaits qui te tiennent à cœur, invoque Al-Mujib. S'il t'arrive quelque chose de formidable, remercie Al-Hamid. Si tu as commis des péchés et que tu n'es pas très fier de tes péchés, demande le pardon à Al-Rafour. Si tu es émerveillé par la création d'Allah, invoque Al-Khaliq. Al-Khaliq. Mais comment on fait pour invoquer Allah par ses plus beaux noms? Allez, sans plus attendre, venez avec moi, je vais tout vous raconter. Tu vois cette magnifique boîte avec le nom Allah dessus? Elle va te servir à quelque chose de très important. Tu vois, lui ou elle, c'est toi. Le héros, c'est toi. Choisis ton personnage pour devenir le super chevalier Mouslim ou Mouslima. Ta seule chance de sauver tes parents, qu'ils ont été capturés par Weswes et Khanes. Ta seule chance de vaincre les diables et les démons, c'est de connaître les noms d'Allah. Tu devras activer tous les gems de la couronne. Voilà la couronne. À chaque stage, tu auras des épreuves à relever. Et à chaque fois que tu réussiras les épreuves, tu gagneras un gems qui te permettra de terminer la couronne et ce, pour apprendre tous les noms d'Allah. Dans le stage 1, par exemple, il y a El Tekebbur. Il se croit le plus fort et peut vaincre tout le monde. Il t'empêche de passer. À toi de trouver le bon nom d'Allah pour le vaincre. Est-ce que c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, ou alors Al-Malik, ou Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, ou alors Al-Mutakabbir? Je suis pas certaine de comprendre tous les mots arabes. Mais bon, on va essayer. Comment on va faire? Mais si tu ne comprends pas l'arabe, aucune inquiétude. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez les cartes à l'arrière? Vous avez une illustration, une définition. Et plus important, une invocation qui vous permettra d'apprendre les noms d'Allah. Si tu dis que c'est celle-ci, tu n'as qu'à la détacher et la mettre dans ton stage. Tourne la page pour voir le résultat. Oh oui, j'ai gagné. El Mutakabbir. Stage remporté. Yes, j'ai eu un gems. Je pourrais la mettre sur ma couronne. Décolle le gems du stage vert, émeraude, et colle-le sur le stage 1. De ta couronne. Une fois que tu auras parcouru les 99 noms d'Allah et que tu auras remporté les 9 gems, tu vas devenir... Super Chevalier Mouslim! Je te cache pas que c'est la boîte la plus précieuse du monde. Je pourrais la garder toute ma vie. Personne n'y touche. Et je la prête à personne. Si toi aussi, tu veux cette boîte, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique dans le lien de la description et tu pourras te procurer le livre des 99 noms d'Allah. Ici! Pour aller au paradis. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que toi aussi tu me dises dans les commentaires combien de noms tu as appris avec ce livre. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'à la fin de ce beau livre, nous avons une magnifique chanson avec le groupe One Uma Voice. Abonnez-vous!
Vous voulez? Hey! Salam alaikum la team muslim! J'espère que vous allez bien, que vous êtes au top, que vous êtes au tapé. 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 Ça va pas. J'espère que vous êtes au tapé. C'est moi qui vais te taper, tu vois. 3, 2, 1. Hey! Salam alaikum la team muslim! Savais-tu qu'Allah a 99 noms? 99, mais c'est beaucoup ça! Et pourtant, si tu les apprends, ça a un pouvoir mais miraculeux! Pourquoi je dis ça? Savais-tu qu'Allah a 99 noms? Tu dois te dire, mais 99, c'est tellement! On peut pas tous les apprendre. On peut en apprendre plus ou moins, et on apprend. Sauf que... Ça sert strictement à rien. C'est la plus belle boîte qui me soit jamais arrivée. Franchement, il faut que je la garde toute la vie. Et je la prête à personne. Si tu la veux, t'as qu'à l'acheter. Si tu la veux, achète le livre.